Et bonsoir tout le monde, c'est Staz, et nous sommes ici pour continuer notre aventure sur Skyrim. Et nous nous étions arrêtés dans Fort Dragon. Pourquoi tu sors ton arme, toi? Tu cherches le caca? Que signifie cette interruption? Le Jarl Balgruuf ne reçoit aucun visiteur. Ah ouais? Ben je me permets. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Très bien. Alors comme ça, vous étiez à Helgen? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Par Ismir, Irileth avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus? Devons-nous continuer à croire en la solidité de votre mur? Ah, on la voit bien la main quand même qu'il a sur. Seigneur. Ah putain, c'est vrai qu'elle est toujours avec moi. Il n'y a pas le feu au lac. Si. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Assez! Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irileth, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Il est sérieux à m'offrir une armure d'écaille, putain. Chose pour moi. Je me suis cassé le cul en crafter une. Venez. Allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Farangar. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ce dragon. Et ses rumeurs... Merde, il est où, Proventus? Proventus, j'ai une épée pour toi. De la part de ta fille. Il est où ce con? Ah. Je suis de la part d'Adrian? Ah. Il doit s'agir de l'arme pour le Jarl. Merci. Je vous en prie, acceptez ces quelques pièces pour service rendu. C'est bien aimable. Va te faire enculer. Bon, du coup, j'ai une armure d'écaille. C'est génial. Je suis heureux. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider? Oui, j'aurais bien besoin... Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Oui, la tablette que j'ai trouvée en cherchant la griffe d'or. Vous avez hâte de partir à l'aventure? Et j'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées et trouvez cette tablette. Oh, vous voulez parler de cette vieille pierre? Oh, la pierre de dragon, tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvé. Mais oui. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Mais non. Voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenici. Farangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Oh, un lézard. Oui, je viens tout de suite. Où l'a-t-on vu? Que faisait-il? À votre place, je prendrais ça plus au sérieux. Bah, que faisait-il? Il faisait caca sur les gardes, hein. Comme tout dragon, hein. Allons-y. Nous n'avons pas de temps à perdre en cette... Je veux que vous alliez... Vous avez survécu. Mais je n'ai pas... En gage de mon... Veuillez également... Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. Pote en peau de foudre atténuée. Ah bah ça va, à l'aise. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre.
Wouhou! Alors, il pleut toujours ici, Ah, fallait que j'aille voir Isolta. Isolta. Parce qu'il faut que je lui donne une corne, enfin une défense de mammouth. Et j'en ai trouvé une. Jamais pensé devoir en combattre un. J'en ai trouvé une dans un coffre. Ce dragon menace nos maisons. Enfin, je l'ai trouvé, vous m'avez compris. Bon, je le donnerai après. C'est pas grave. Let's go! Oh putain, c'est un pauvre. On va pas tenter là. Voilà. Moi, je n'achète pas les chevals. Je les emprunte. Le coin. Bitch, I'm bitch. Oh, Didé. Alors, il y a des moutes, il y a des géants. On va éviter de les combattre maintenant. Ils vont nous envoyer vers l'infini et l'au-delà. Et moi, ça ne me plaît guère. C'est quoi cette merde? Mais je tuerai les moustiques. Ou les ferai fuir. Une épée elfique. Ah, casse-toi, toi. Ah, mon cheval, il s'est fait la malle. Salaud. Ah, ben remarque, au lieu de la tuer, je pourrais l'envoyer à la mort, ce pouf. Bon, eh bien, aujourd'hui, on ne tuera pas que des lézards. Nous tuerons des géants et des moutes-moutes. Alors. Je fais que passer, mon gars, Ne prête pas attention. Alors, on a 1, 2, 3 moutmout. Et je crois qu'il y a 2 géants. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai des meilleurs flèches? Ah, c'est bon, j'ai le zoom. Ah, mais l'approche pas, il va me voir. Oh le con. Voilà, il m'a vu. En fait, si, je peux me le faire. Ah ! Et là, tu décèdes. Voilà. Haha, mon ingrédient préféré. Arrête de faire n'importe quoi. Deuxième géant, je vous prie, bitch. Il est là. Putain, lui par contre, il est pas content.
Tu n'auras pas, sale merde. Non, non, non. Non. Mais tu meurs. Putain. Ah, casque décalé. Du coup, elle est où l'autre? On me dit pas qu'il a envoyé Voldinguer là. Non, elle est où? Putain, merde. Meuf. Merde. Ah, t'es là? Putain. Je croyais qu'on t'avait perdu, moi. Coquinette. Bizarre, mais je le sens mal, lui. Ça pique. Ça picote. Et ben alors, on est décédé? Ah merde, une flèche perdue. Mais quelle maladresse je fais. Enfin, quel maladroit. Oh mon dieu. Il décède. Meurs. Mammouth de merde. Truc poilu. Ordure préhistorique. Ah, je peux te balancer un juron à chaque fois que je balance une flèche. Hein. Dindon. Pénis. Hamster. Eh bah ben, putain. Ah, je lui ai mis plus de 7 flèches. Je sais que j'en ai mis plus de 7. Alors, t'es décédé? C'est bête. Du coup, est-ce que je peux tout prendre? Attendez, on va pas la laisser. Voilà, on va la mettre au moins près du feu. Voilà, comme ça, elle a pas froid. Et après une bonne partie de tuerie, on chasse les papillons. Eh ouais. La bonne grosse logique, ma gueule. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Je vous cherchais. Nous ne voulons. J'ai pas quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. La chercher. Voyons cela. C'est quoi? Un cadeau? Va ouvrir un haut d'étoile. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Wesh. Hé, hey, vous. Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanche Rive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Oh, j'espère que c'est pas moi. Hein. Une femme qui ne vient pas d'ici. Ah, ça va. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, à Blanche Rive. Vous nous trouverez à Rorik Bou. Nous recherchons une fuyarde, une rouge. Cela ne vous regarde pas. Si cela ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas.
Bon, je vais faire mes petites magouilles. Et je vous retrouve dans une seconde. A tout de suite. Ah, nous y revoilà. Donc, j'ai vendu toute la panoplie de l'armure d'acier. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Du coup, on va continuer à trouver ce dragon. Mais il est magnifique ce chapeau, mets-le. Voilà. T'es swaggy comme ça. Et toi, garde ton pot à caca. Je voulais faire une blague. Et tu m'as cassé ma blague. Alors remets ce seau à caca. Oui, ils aiment pas mes casques ici. Là. Mets-le. Voilà, tu es parfaite. Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez aidé le Jarl. Coucou. Merci. Oh, Isolta. Une fois que je me serai fait assez d'argent. Merci. Ça devrait persuader ce vieil homme chat. Oui. Peut-être que je pourrais moi aussi faire partie d'une caravane un jour. Comme t'as qu'à venir dans la mienne. Vous expliquer une petite chose ou deux sur le commerce. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez avoir par un marchand doublard. Oh, c'est trop aimable de ta part. Au revoir. Maintenant, il faut que je trouve une amulette de Mara et que je te pète les fesses. Youhou ! La bouillotte volante. Ceci est un ovni. Je suis le commandant de la garde de Blancherie. Je m'en bats les couilles. Mets cette bouilloire. Putain. C'est pas drôle ici. Et du coup, le cheval est retourné à son maître, je suppose. Toute logique. Et oui. Eh ouais. Bah c'est pratique qu'ils reviennent en fait. Allez. Allons voir ce dragon. Attendez, j'ai vu des papillons. Ah, tu pensais te cacher dans le caillou, mais c'est raté. Mais tu vas décéder, oui. On se calme. Ah mais tu piques toi en fait. Mais j'ai rien fait. Ah oui, pas mal la flèche dans le coude. Après la flèche dans le genou, la flèche dans le coude. Là, est-ce que si j'active la quête, ça marche? Apparemment non. Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Mon dieu, moustachu. Où est-il ? Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. Ah. Que Kinaret nous garde. Ah. Le revoilà. Coucou. Où ça ? Où ça ? Merde, je l'ai perdu de vue. Musique épique, je vous prie. Switchback.
Donne-moi ton âme. Vous avez commis des crimes contre Bord de Ciel. Non mais t'as niqué toute la... Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais arrête! Mais t'as niqué toute la beauté de l'action. Tu veux que je teste le cri? Tu veux que je teste le cri? Nordique mes couilles, salopette! Oh, vous me cassez tous les belles. Allez tous, crevez, bande de trou du cul. Allez, salaud! Je te pisse dessus tel un chameau. Ah, il a vraiment bouffé un garde, le truc. Ah putain, voilà pourquoi j'ai fait les armes de nous. C'est tout ce que vous savez faire. Allez, on va te faire foutre. Cordialement. C'est bon, c'est fini? Oh putain, mais elle est sérieuse. Mais die quoi. Voilà, allez, casse-toi. Bon. Je ne crains que du coup nous devons aller faire un tour dans la prison des Blancherives à cause de ce malheureux accident de cheval à la base. Bon, bah écoutez, on va se quitter là du coup, parce que sinon je vais péter un plomb. Et je vous dis à l'épisode numéro 8. Ouais, numéro 8. Fous ta gueule! Ferme ta gueule! Merci. Putain, il m'a niqué mon outro. Bref, à l'épisode numéro 8, putain j'ai toujours ma flèche dans le coude, et une flèche qui a failli me percer les attributs, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, je vous fais plein de bisous, et vous souhaite pour ma part une bonne nuit. Allez, bisous, ciao!